Pourquoi c'est tout noir? Et rebonjour tout le monde. Ça y est. J'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Duel Universe. Désolée, j'avais un écran de OBS qui était tout noir, donc je me suis inquiétée, mais non, visiblement c'est bon. Voilà. Et coucou Fufu, comment ça va? Mais si j'avais un écran noir. Ça commence bien. Bah moi ça va, merci. Hop, c'est bon. Alors je vérifie juste que le son, peut-être que la musique n'est pas assez forte. Bah n'hésitez pas à me dire, je peux monter un peu. Hop. Picaflou. Picaflou. On va partir faire des petites. Comme d'habitude, on va visiter un petit peu le. Des constructions. Faudrait que j'avance un petit peu mon IN4, mais j'ai la flemme. Je vous cache pas. Je peux tout monter? Bah, tout monter, non. Parce que ma voix, elle est à fond. Mais je peux monter un peu le son, la musique, si vous voulez. Et coucou, Safi, comment ça va? Tu montes ce que tu veux. Ça m'aurait pas étonné. C'est très jaune. Oui, ça fait mal aux yeux. Désolé. Désolé, désolé. Mais c'est monsieur qui met, qui met la musique. La musique, la lumière partout. Hein. Évidemment. Ses filles, il arrive à chaque fois au bon moment. Si c'est pas fait exprès, ça, je sais pas ce que c'est. Encore une semaine d'arrêt, rendez-vous prévu. Bah écoute, j'espère en tout cas que ça ira bien. Ouais. J'espère. C'est pas ça que je voulais ouvrir. Hein. Alors, on va partir. J'avais dit qu'on commencerait par la visite de Shalana qui a fait des travaux chez elle. Hein. Il a bon nom, monsieur, tout à fait. Mais oui. Mais c'est lui qui met de la musique partout, de la lumière partout. Shalana. Alors oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Duel Universe, c'est un jeu normalement de vaisseaux spatiaux, de construction, de minage, ce genre de choses. Il y a pas mal d'industries à l'intérieur. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller promener et de voir les constructions des autres. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, je fais que des promenades. Ça m'arrive aussi de jouer et de faire autre chose, hein, mais j'aime bien faire des découvertes. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à voir à part un lit dans la chambre, dans ma chambre. Ah, ma chambre, c'est bon. La pub Twitch sur l'écran. Maintenant, il faut trouver un moyen de mettre tes streams sur un écran géant. Tu veux mettre mes streams sur un écran géant? D'ailleurs, demain. J'espère demain ou ce sera dans la semaine. J'ai une surprise pour vous d'ailleurs. Par rapport justement à Sefif, hein, c'est plutôt sa femme qui a travaillé sur mes nouvelles émotes de chaîne. Hein. Donc au moins vous pourrez les voir. Alors, bienvenue dans le petit monde de Shalana. C'est un petit monde presque féerique, pas besoin de courir. Prenez votre temps et profitez de la visite. Hein. Le château Papillon et le hangar souterrain sont en permanence en travaux. Ok. Alors, t'es nouveau et ton premier vaisseau a fini en flammes. Ah! Rip, désolé. Désolé pour toi. Souvent ça arrive. Hein. Ah, mais c'est pas la galère. Hein. Je suis très contente de ce qu'elle m'a fait, mais j'espère qu'elles seront validées pour demain. Mais.
Sinon, ce sera dans la semaine. En tout cas, je vais les installer ce soir. Hein. Et vous verrez ce qu'elle m'a fait comme nouvelle émote. Du coup, on arrive ici, sous terre. Sous terre, avec un papillon. Ok. Ok. Ah, d'accord. Ah, je pensais que ça serait une visite dans une galerie. On arrive en fait dans un... comme un tronc d'arbre. Ok, je viens de comprendre. Ah bah oui, moi je pensais que c'était sous terre. On arrive ici en fait. Elle a mis son point de téléportation. Moi je pensais que c'était qu'elle avait creusé toute une galerie sous terre et qu'on arrivait... qu'on allait remonter par l'industrie... En fait, c'est un arbre. C'est un tronc d'arbre. Merci pour le follow, Fifi. Merci beaucoup. Mais si tu as des questions, surtout n'hésite pas. La communauté est plutôt sympa. Et sympa. Il faut que j'arrête de dire plutôt sympa. On dirait que vous êtes des monstres. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Et au pire du pire, il y a un Discord où on papote souvent sur Dual Universe. Et il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Mais oui, le début du jeu est vraiment pas évident. Alors j'aime bien ce point de téléportation, mais je pensais vraiment qu'on allait rester sous terre. Mais le Pluto était mal placé, désolé. C'était pas... Non, non. On est adorable. Hein. Mireille ! Non, je suis pas déçue. Non, je pensais vraiment qu'on allait rester sous terre et sortir par le... Arriver sous terre, peut-être sous le... Faut que je me teste parce que sinon elle va tout recommencer. Sous le château, par exemple, et remonter, avoir un je sais pas moi, une ouverture sous le château. Des papillons. Alors. Comment je fais pour enlever mon pointeur là-bas? J'ai un truc à 30 km. Je crois que c'est Rambo. C'est chiant en fait, la destination. Annuler destination, voilà. Du coup, on va pouvoir aller voir ma chambre. Et puis, évidemment, je vais vous montrer le château. Mais je vais aller voir ma chambre. Bienvenue dans le petit monde de Shalana. À ce qui paraît, j'ai un lit. Moi, je voulais voir. Elle n'est pas finie, mais tu m'as dit qu'il y avait un lit. Dans une chambre, un lit, c'est bien. Je pourrais au moins dormir. Hein. Tadam ! Ça, c'est ma chambre. Ah, oh, j'ai droit à des... Ah, on dirait, ça fait comme des tentures, en fait. Comment ça s'appelle, hein ? Des rideaux. L'armoire. Elle est pas mal, hein. Ah, j'ai oublié d'éteindre ma machine à café avant le stream, désolé. Elle va se nettoyer. Et une baignoire. C'est bien ma chambre, hein. J'allais dire parce que si je squatte ici, en fait, c'est... Si, c'est mon côté, ça. Coucou, Marcy. Comment ça va? J'aime bien le sol aussi, hein. Le petit lavabo. Hey, mais t'as tout travaillé? Ben, c'est pas... C'est tout... Ok, je pensais que c'était le... Que t'avais encastré un lavabo dans le meuble. Mais non, pas du tout. Mais c'est super bien fait. Hein. Ah, c'est super bien fait. Hein. Il n'y a pas de... Que du voxel.
Oui, ça c'est ma chambre, ma salle de bain. Mais là c'est. Oui, j'ai une salle de bain privative, voyons. Je squatte, non, je visite. J'avais pas vu de l'intérieur, le rideau. Eh ouais. Ouais, tout ça avec des voxels, hein. On peut faire des choses très très sympas, hein. C'est pour ça en fait que j'aime bien me balader et aller voir ce que les autres font. Et ça, c'est mon lit. Ouais, c'est chez moi. Je me fais des places partout, t'as vu? Non mais voilà, si vous m'invitez, pensez à la nourriture et pensez à mon espace en fait. Faites-moi un petit espace. Mais j'aime beaucoup, ouais. Et moi je dis j'ai de la place. C'est plus qu'une chambre, c'est un appartement. Faut passer à l'espace. Franchement. Donc là, ça va être la chambre de Shalana. Hop. Du coup, elle a même pas bossé pour elle, hein. Elle s'est même rien fait pour elle. Il y a un nouveau balcon, ouais. Je vais aller voir. J'ai vu que c'était ouvert là. Ouais, c'est un château, ouais. Ouais, t'as ta petite maison, mais. Quand même, hein. Y a Cococinelle là-bas. Une grosse Cococinelle. Ça marche, Fufu. À plus. Merci d'être passé en tout cas. Et n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Si on peut aider, on le fera. Avec plaisir. Bah moi aussi je me connecte pour les sous tous les jours. Et encore, souvent j'oublie, donc ce week-end par exemple je me suis pas connectée, ou je me suis connectée que dimanche. Mince. C'est pas ça que je voulais faire. Bah d'ailleurs il faudrait que je finisse mon lien 4, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu la flemme. Faudrait, hein. Je préfère aller balader. C'est plus intéressant. Non mais je suis tombée, je voulais. C'est pas ça que je voulais faire. Hein. Je cherche le balcon. Le nouveau balcon. Parce que je le connais celui-là. Où j'ai contourné. Moi j'aime bien le. Comment que ça s'appelle? Le plafond. Ah! Coucou. Ah, il y a même mon prénom dessus. Hey, vous avez vu? Delight Room. Part 1. Part 1? Il y a plusieurs parties. C'est ça. Ouais, c'est ça, merci. Bisounours qui visite des maisons papillons. Ah, l'ascenseur, mince. Merci. Yeah. Ah bah on est dans la tour en fait, c'est ça? On est à l'intérieur du. Ah t'as bien fait de mettre des vitres. Ouais, parce que je pense que pouf, je serais retombée direct. Ah c'est pas mal.
C'est bien d'avoir encore un point de vue. Ah, les petits papillons qu'il y a au-dessus des cheminées. Il y en a un qui embête mon chien. Je pense que je vais aller là. Il y a quelqu'un qui embête mon chien dehors. Je vais aller voir. Hop. Attendez. Les gens sont abrutis. Hein. Ah, c'est pas mal la vue du jardin aussi. Je suis pas censée monter là parce qu'on dirait que je vais me suicider. Mais ah, c'est pas mal. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, d'accord, c'est. J'avais pas vu qu'il était en l'air. Hein. C'est pour le coller. Ouais. J'aime bien le plafond. J'aime bien, ça fait effet vieille charpente. J'aime bien. Honnêtement, je trouve ça classe. Mais je sais pas pourquoi quand je suis au bord de quelque chose, et pourtant, je veux dire, dans la vie de tous les jours, j'ai le vertige. Hein. Donc c'est quelque chose que je ne ferai pas, de sauter comme ça, de très haut. Mais je sais pas, il faut que je... Je sais que je vais tomber, mais il faut que je saute quand même. Le vide m'appelle. Hein. Ben, c'est un détail qui fait beaucoup de choses, en fait, la charpente. Mais j'avais pas vu que l'armoire qui... Non, ça traîne pas. Hein. C'était juste savoir si peut-être j'allais avoir un deuxième étage dans la chambre. La fille. J'ai droit à deuxième étage. Non, je vais pas abuser comme ça. C'est pas cool. Hein. C'est une fausse vraie porte. Plus c'est inutile, plus c'est important. Ben oui, mais... Non, franchement, j'aime bien le comment ça s'appelle, le rideau, il rend super bien. Et la salle de bain, elle est trop mignonne. Et en plus, qu'elle soit faite uniquement avec des voxels, franchement, bravo. La salle de banquier, la salle de danse, la salle d'œuvre avec des peintures, ouais. Bah oui, bah après tu vois là, elle a plein d'espace, hein. Plein d'espace. Ouais. Bah normalement quand, est-ce que je sais pas, est-ce que ici faire la salle de réception tout de suite à l'entrée? Bah du coup faut faire une cuisine si on fait une salle de réception. Une super grande cuisine de grand chef. Hein. Un truc immense. Hein. Non, non, pas tout ça dans ma chambre. La salle de banquier, à la limite, qui a un buffet dans ma chambre, oui. Je valide. Un truc à nourriture, ah j'avais pas vu. L'hérisson est trop trop bien. J'aime bien les hérissons. Enfin c'est pas des hérissons, c'est des nérissons.
les petits bébés Nyan Cats. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je pense à une potion, mais c'est pas. C'est un animal? Je reviens à une potion, mais je vois pas ce que la potion viendrait faire. Ça a l'air. Tout ça, ça a l'air vivant. Ah, c'est un extraterrestre. Ok, bah j'aurais pas trouvé en fait. Chercher un animal. Enfin. Connu. Oui, Nyan Cat, c'est un animal. Hangar. Ouais, en fait, il faut reculer un petit peu. Mais oui, c'est ça, hangar. Ah! L'ascenseur pour aller au hangar. Ah, ok. Ah, du coup, ça rend super bien. T'as modifié les couleurs et tout. T'as rajouté des couleurs, ouais. Deux choses à dire pour deux différentes personnes. J'ai abandonné l'idée de refaire le cockpit de mon ship. J'ai pas encore réparé les voxels dessus. Ok. Ça tombe bien, je n'ai pas préparé ce qu'il fallait. Shana, je sais toujours pas en quoi je peux te fournir en matos Voxel pour tes. Hein? Ok. Hey, j'ai pas vu la descente, pardon. Ah, il faut descendre dans. Ah, il y a deux entrées? Bah c'est ça que je veux. Le paravent. C'est ça qu'il me faut pour mettre dans ma salle de bain. Mais avec plusieurs couleurs. Faut que je me bouge le cul à le faire. Hein. Enfin, faut que je me connecte pour le faire. Enfin, là, je suis connectée, mais j'ai pas envie. C'est un autre problème. Ah, c'est sympa. C'est pas mal. Là, tu vois, je pensais que tu aurais mis du rose aussi en. Mais la touche de bleu, elle est sympa avec l'éclairage rose. Dis-moi les couleurs. Je voulais reprendre les couleurs du corps du Nyan Cat, donc faire le contour en noir. Une bordure. Faudrait qu'il y ait du jaune et les deux roses que j'ai dessus en fait. Je sais pas trop comment mélanger tout ça, mais. Voilà. Apparemment. Ouais. Voilà, du couleur du Nyan Cat. C'est pour ça que je voulais les fameux voxels en diagonale. Et la dernière fois que j'ai commencé, je me suis énervée dessus, donc je suis partie balader. Hé! Hey. La petite salle de bain qui va avec. Ah, il y a même le bouton pour. On peut appuyer. Ça fait quoi si on appuie dessus? Ok. C'est plus. Pas que j'ai touché quelque chose qu'il fallait pas. Non. Rien. C'est. La chasse d'eau. Boum. T'imagines? C'est la chasse d'eau. Donc ça c'est l'industrie, il y a des bouboules. Il y a des bouboules. Il y a des zones de test là-bas. Et c'est pas mal. Hein. C'est une racine qui tient le conteneur. Merci. Bah c'est ça. Ouais, c'est bien trouvé. Il y a des arbres partout. Hein. Et les boules. Ben, c'est des boules. C'est pour montrer que c'est du minerai qu'il faut mettre dedans.
c'est pas mal. C'est pas fini derrière. Ok. Non, parce que j'ai vu un trou. Ah d'accord, c'est le dessous. Ok. D'accord. Je me suis dit, tiens, un passage secret. Je vais éviter de tomber, on va essayer de faire le tour normalement. Ouais, c'est sympa. Hein. J'aime bien ces reflets roses. Ouais, du coup, les couloirs. Justement, je disais, tiens, les couloirs, moi, je sais pas comment je pourrais les intégrer. C'est un kit de mur. Et je vois pas du tout où est-ce que je pourrais les mettre. Ah, c'est pas mal. T'as changé les couleurs parce que t'aimais pas le gris. Ouais, je me doute. Ah, c'est sympa, hein, mais le gris va avec le rose. Hein, donc là, ça passe très très bien. Ah, c'est sympa ce système de branches qui passe partout. Franchement, c'est cool. Hein. Ah ouais, en plus. Ok. Ah, il y a des papillons sur les roses. Ah, il y a quelque chose que je connais là-bas. Ok, je vais faire le tour ici. Parce que je crois que si je saute, je ressors par à l'extérieur. Après, je pourrais pas remonter. Si, on peut remonter là-bas. Après, je sais plus. Le hangar, il a pas changé. Ok. Enfin, il a pas changé. Il y a quand même des trucs. Enfin, le pont a changé. La salle de test, elle a changé. Il y a des trucs nouveaux dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune là-bas? Mince, je me souviens plus comment on descend. Bah peut-être par là, hein, au final. Hein. Ah, je me disais bien, c'est bizarre quand je regarde ça, le truc jaune justement, ça me fait penser à Wook. Je sais pas pourquoi. je pense que ça me fait penser à son chat qui ressemble à rien, qui est en train de pleurer en bout là. Et je crois que c'est ça. Les personnages courent bizarre dans Dual Universe. Bah en vrai je cours comme ça, voilà. Je cours plus sur les pointes par contre. Je pose pas le talon moi. Ah, d'un petit train dans le tunnel, ouais. C'est pas faux, ouais. Ce serait pas mal. Hein. Ah mais c'est le bonsaï. Eh bien, on se refuse rien. On te l'a offert. Ouais, parce que le bonsaï, c'est du, hein, c'est du T5. Hein. Un mid-pad de transport. Hein. Ouais. Ouais, je vois qui c'est, puisqu'on a eu le même. On a eu un bonsaï qui a pop. Hein.
Des raffineurs avec des petits arbres. C'est quoi le truc là-bas? Ah, il y a un truc, on dirait une théière géante. Non? On dirait une théière géante. Ah, c'est des cercles roses? Oh, on dirait de loin, on dirait une théière. Mais c'est vrai? On dirait une théière. On va fermer les portes. Ah, on peut descendre encore. Ok. Il y a une vitre. Ah. Il y a une vitre, au secours. C'est vrai, on dirait une théière. Ah, ils sont sympas les trucs là. Les dessins aussi, hein. Mais j'aime bien les. Celui-là, j'aime bien. Du coup, il y a des choses qui ont été rajoutées dessus. Ah, c'est bien fait, hein, comment c'est incrusté à l'intérieur. Avec le petit pompon, la petite étoile rose et tout. Ah, ça soutient l'industrie! Ok, ah version pillée. Et aussi les filets là, vous voyez, pour tenir les containers. On a vu plein de choses pour les gens qui essayaient de poser leurs containers. Ça aussi c'est une bonne idée de mettre du coup des filets. Évidemment, je peux monter. Ah, c'est cool, ça fait un peu de tapis, bah du coup de tapis rose. On sait jamais s'il y a un truc caché sous l'escalier. Mais c'est pas mal, hein. Il y a eu du travail, hein, par rapport à quand on était venu. Eh, je passe en dessous. Je pensais que j'allais rester coincée. C'est pas mal, les petits filets. Avec les câbles aussi. Très très fin. Super joli. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui court chez toi. Ah, Yersina! C'est l'œuvre du Père Noël. Hein. Ah, mais c'est bien. Hein. Ça fait vraiment piller, ouais, du coup, pour tenir l'étage. Super travaillé. Est-ce qu'il y a un escalier de l'autre côté ou pas? Non. Et même là, je montre pas ce sens-là, mais parce que derrière il y a de la terre. Hein. Mais là ici c'est des voxels. Hein. Tu profites que ce soit ouvert. Du coup il y a accès au conteneur par-dessus et par-dessous. Ouais, c'est bien. Non, franchement c'est bien vu. Là aussi, il y a une grille. Ouais. Non, parce qu'on en a vu des constructions en sous-sol. En général, les gens, ils mettent juste un mur. Hein. Ils s'embêtent pas à faire des dessins dans les découpes. Hein. Oui, désolé, il fallait que je saute.
Ah, celui-là, j'aime bien, franchement. Il est super mignon. Les petits papillons avec le petit panier, c'est vraiment trop mignon. Alors là, il y a le truc. Le truc vert. Ah, en effet, c'est des anneaux. C'est Yatik, voilà. Ouais, mais c'est bien, je trouve que c'est bien comme ça, avec des découpes en fait pour les murs. Je trouve que c'est plus sympa qu'un mur opaque. Oui, en effet, après on peut rajouter des pixels dessus, mais je trouve que c'est bien comme ça. Et là, on a donc l'essai de menthe. Menthe religieuse. J'aime bien les pattes, j'aime bien le corps, il manque les yeux en fait. En 1 heure, c'est pas mal. Ah, il a des trous aussi là. Ah. Non, non, je trouve. Moi j'aime bien les pattes et tout, la tête du coup elle est pas. Je pense qu'elle est pas terminée ou c'est une impression. Mais ouais, c'est pas mal. Elle a volé? Ah bon? Comment ça elle a volé? Ah, c'est censé voler! Ok, je pensais que c'était plus en décoration. D'accord, donc là c'était la place du si le siège qui allait là. Ok, ah mince, je crois que je suis coincée dedans. Non, ça va. J'ai eu peur. Ah, mais j'allais dire parce que je voyais pas les moteurs. Ok, ah, je l'aurais bien vu en statuette. Ouais. En version statuette. Quoique, oui, ça peut voler. Mais. Exact, j'ai pas pensé à ce que ça pourrait voler. Ça pourrait faire un vaisseau, oui. Ouais. Oh, une statue géante, ça serait. Ouais. Hop. Jumping puzzle. Est-ce qu'il y a un trou pour que je puisse rentrer après? Ouais. Mais non, je suis tombée! C'est lui qui me saute sur la tête! Ah, y a un truc là! Non? C'est pas un ascenseur là-bas? Ah, est-ce que je vais rebondir, je pense. Je pense que je vais me prendre le plafond et je vais tomber. Ah, je suis coincée, je peux pas y aller. Ah oui, c'est. Bah oui, mais bon, j'aurais voulu faire ça à la loyale. Hop. Non, mais je suppose qu'il faut passer par la porte. Hop. Charme derrière moi. Eh oui, donc c'était pas une théière. Hein. C'était bien des cercles. Hein. De loin, ça faisait trop une théière. Qu'est-ce que c'est du coup le truc de. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, alors du coup, oui, je peux tricher. Hein. Ah non, je peux pas tricher, tiens. Je voulais aller voir de plus près les trucs bizarres. Qu'est-ce que. C'est censé être quoi ces trucs jaunes? C'est vraiment bizarre. Hein. Ah, c'est pas un œuf. Un œuf sur le plat. Ici, c'est privé normalement. Ah.
Bah, vous avez une visite VIP. Désolée. Tu veux que je sorte, peut-être? Mince. Il y avait tellement de choses que je voulais aller voir. Ah, c'est bien un œuf. Oui. C'est... Ouais. Je vais pas chercher à comprendre, en fait. Hein. Exclusivité. Merci. Et en plus, je me suis retenue tout le week-end. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais aller farfouiller chez Chalana pour voir ce qu'elle fait. Et pour une fois en plus que j'y vais pas, je vais vraiment, j'essaye de tenir. En fait, j'avais le droit de venir fouiller. Non, t'es pas obligé de mettre tes droits. T'embête pas avec ça. Ah, t'as enlevé ta déco de. Halloween. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu fini Halloween. Hein. Mais bon. Là, c'est une danseuse. Ouais, j'aime bien le fait qu'elle ait rajouté des arbres, comme des vraies branches et tout ça, qu'on puisse potentiellement monter dessus. Oui, ça c'est un détail, mais que ça passe un peu partout dans le bâtiment, c'est vraiment sympa. Ah, je veux bien croire que ce soit là. Et c'était quoi cette idée? Est-ce qu'on va avoir les idées en avant-première? Non, peut-être pas passer les idées parce qu'après, hein, on viendra voir l'idée, non? Ouais, l'intégration des bancs, des armoires. En plus, tu pourrais tellement créer tes propres kits en fait de meubles et vendre les blueprints, mais à des prix à des super prix. Franchement, j'aime bien la balançoire. Hop là, j'ai mon sprint. Bon, ça c'est tout ce qui est librairie de voxel. Hein. Pas d'avant-première parce que t'y arrives pas, vous serez déçus. Petite table papillon. On l'a pas encore vue celle-ci hein, à l'intérieur. Ou elle est dans le jardin, parce qu'il y en a dans le jardin des tables. Bah, de toute façon, moi j'ai quoi? Chez moi, j'ai le. Dans mon IN4, j'ai ça. J'ai le porte-manteau. Qu'est-ce que j'ai encore? Je me retrouve avec plein de trucs, de toute façon. Et dans le jardin. Donc voilà à quoi ressemble un atelier de création. J'ai enfermé personne dedans. Je sais pas. Je mets pas sur V. Ah. Ah ça.
Je sais pas si Yersina est encore avec nous. Ça se trouve, on l'a enfermée quelque part. Le jeu a planté. Oh non! Mais non, c'est pour ça que je pensais avoir enfermé. Hein. Mais non. Rip. Hein. Trop d'émotions pour le jeu. Il s'est fermé du coup. Ah! C'est quoi ce mur blanc? C'est un écran? Ah non. On dirait un panneau où il va y avoir un truc écrit dessus. Trop d'émotions dans le jeu. Les petites roses. Non, franchement, il y a eu pas mal de nouveautés. Pas mal de nouveautés là. Ah, la plaque blanche, c'est mon espace de création, c'est ça? Ok, je vais complètement zapper. Oui, faudra pas que je traîne trop parce que. Quand même. J'avais complètement oublié, excuse-moi. Oui. Ah, tout ça? Tout ce grand mur? Ah, je pensais le panneau là-bas. Ah oui, il y a de quoi remplir. Hein. Enfin, je trouve quelque chose qui va en raccord avec tout le reste. Hein. Pour pas. Ok. J'avais complètement zappé. Oh là là. Je suis désolée. Je veux pas que ça traîne trop parce que quand on compte sur moi, j'ai pas envie de laisser. Bah oui, bah ça se fait pas de laisser traîner. Surtout que j'ai dit, ah mais j'ai. À part mon Yen 4, j'ai pas trop la motive. Je vais aller me balader. Ah là là. Ah ouais, non mais ça fait super plaisir d'avoir un espace. C'est ouais. C'est super cool. Je me sens pas du tout obligée, mais j'avais complètement oublié que tu m'en avais parlé. Et ça se fait pas de faire attendre. De te faire attendre. Surtout que là en plus j'ai fait une super visite, donc je vais m'imprégner pas mal de. D'énergie pour faire quelque chose dessus. Faut être motivé pour le terraforming, hein, franchement, parce que ouais, c'est bien la misère. Ouais, mais au final, je me dis, tiens, les morceaux de terre, est-ce que c'est vraiment gênant? Quand on voit les branches qui se promènent dans le bâtiment. Avec les feuilles, tout ça, les fleurs. C'est pas forcément choquant, hein, qu'il y ait des morceaux de terre. Je voulais aller voir le jardin. Le jardin, c'est par là-bas, je crois. Oui, sur un mur blanc, oui, ça ressort un peu mieux, enfin un peu plus. Hein. Faut pas que je me coince entre le mur et la terre. Hein. C'est pour ça que je marche bien à côté. Ça, je suis sûre de tomber entre. Ouais, mais j'aime bien moi cet aspect grillage, je trouve que ça rend super bien. Hein. Cococinelle, c'est vrai que c'est bien. Ouais, c'est sympa comme ça, hein. Bien décoré et tout. Non, le passage il est à côté.
Et Redringar, ça va toujours? Bah, les passionnés, je pense, c'est surtout ça. Ouais, ça va, merci. On se balade. Attendez, j'enfile juste ma veste parce que ça s'est rafraîchi. Du coup, on est parti en balade. Donc pour les curieux, il y a un pod ouvert au public, donc n'hésitez pas à passer régulièrement voir les changements. Ah mais oui, mais bien sûr, c'était la table du complot. Hein? La table du complot. Mais ah oui, du coup, on va appuyer sur insert, c'est ça. Mince. C'est ce que je voulais éviter, en fait. Je voulais... faire une vue, une autre vue, mais c'est pas au point leur truc. J'ai pas avancé sur le complot, mais qu'est-ce que vous complotez? Ah bah visiblement, elle traîne pas toute seule sur les streams à 3h du matin. Ouais, et puis du coup, à 9h30, quand je lance le mien, vous êtes pas là, hein? Dis donc. Mais je marche avec Yersina, je crois que je marche avec Chacha. Vous avez la même combinaison. Sauf que les poignets sont bleus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens parce que j'ai mes chiens qui sont en train de se battre. Alors, voici, désolé du coup. Par contre, j'ai cliqué sur un bouton. Ça m'a modifié un petit peu le micro. Donc, si jamais c'est pas assez fort, vous n'hésitez pas à me le dire. Ah, du coup. Bah, du coup, on a fait le tour. Là, c'était bon. Il y a la petite maison en bois. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé? Enfin, il y avait la trappe secrète
qui descend justement dans la salle de création. Ah, ils sont en face. C'est bien ça. C'est ta maison. Ah, t'as enlevé la trappe? C'est vrai? La trappe secrète, ça, il n'y a plus de trappe du coup. Tu as couru, tu lis pas les écrans. Ah mais c'est... c'est Yersina. J'allais dire Shalana, elle m'a claqué la porte au nez, mais non, c'est pas Chacha. Ah ouais, il faut que je cours. Oui. Bon, vas-y. Pas besoin de courir dans ma zone. Mais on court pas, mais bon. Après, t'as pas grand chose, hein. T'as un lit pour dormir, c'est tout. T'as même pas à manger. Je m'en fiche que tu restes enfermé dedans. Hein. Quand tu cours, t'es puni. Sérieux. Tu peux même pas dormir dedans. Ouais. C'est vrai que ce serait un bon piège, ça, de mettre des pièces un peu partout. Pour enfermer les gens dedans et... Bon, quand t'es en surgate, tu t'en fiches parce qu'au pire, ben, tu sors du surgate. Mais si tu viens physiquement et que t'es obligé de respawn et que t'as oublié de mettre un... Reznote dans ton vaisseau... Surprise. Moi, je veux pas rentrer. Moi, je veux pas rentrer. Non, non, non. J'ai vu comment que c'était, il n'y a pas à manger, ça m'intéresse pas. Par contre, j'aime bien cette petite maison en bois. Mais je veux pas. Je veux pas. Je veux pas rester enfermée. Je préfère le château. Ma chambre est beaucoup plus... plus sympa, plus mignon. Elle sera là, cette maison. Bah, elle est bien, cette petite maison. Ça glitch à travers la porte. Mais moi je me souviens, je sais plus, j'étais partie visiter son industrie au tout début. Hein. Et je crois que c'était un truc comme ça un peu. J'ai dû tomber entre le mur et le. En reculant. Je regardais et je reculais. Je me suis coincée entre les deux trucs. Hein. Je suis coincée, je suis perdue, je sais pas où je suis. Viens me chercher. Maintenant, j'essaie de faire attention et d'éviter de marcher où il faut pas. On va retourner voir Cocosinelle. Mais... Et petit Cocosinelle. Je pensais qu'on pouvait passer dedans. Ah
Ah, du coup, t'avais agrandi. Ah oui, mamie. Ils avaient dû modifier un truc, on pouvait pas se laver la dernière fois. Enfin, on pouvait pas passer entre les. Dans la douche. Non, la dernière fois, il y avait un problème de. Certainement dû à la mise à jour qu'ils avaient fait. On passait pas entre. Du coup, on pouvait pas visiter la salle de bain. En balade, ça tangue. Où est-ce que je suis tombée? J'ai cru que je t'ai passé à travers le vaisseau. Ah, le jeu a encore crash. Trop d'émotions. Une émotion, un crash. J'aime bien par contre le. Et ça dérange pas du tout de. Bah non, forcément, si on pilote à la troisième personne. Sympa l'écran. C'est mieux que la. Quand tu vois la. Les tours, hein, ça donne pas forcément envie en termes de vue, mais. On a l'impression qu'on va se retourner. Je suis à la maison. Ouais, il pourrait attraper la coccinelle. Enfin, vu qu'il a pas trop encore les tout ce qu'il faut pour voler, il risque de. Il risque pas d'y arriver, mais. Quoique, vu la taille de la coccinelle, je me demande qui gagne entre Nyan 4 et la coccinelle, quand même. Enfin, je pense que si la coccinelle elle se pose sur moi, elle m'écrase quand même. Moi aussi, j'espère qu'elle va pas se crash. Ce serait ma faute en plus. Ben maintenant qu'il y a les effets d'usure sur les vaisseaux, honnêtement, j'ai peur de. J'ai plus envie d'aller me promener en vaisseau.
Alors qu'au pire, ben ça se change, mais c'est chiant quoi. Moi des fois j'arrive, je fais oups, bah tant pis, je sais que je vais me cracher, je sais que je vais taper parce que j'y étais comme une sauvage, je le sais. Aujourd'hui, j'ose vraiment plus, je fais encore plus attention. Ouais, bah oui. Merci bien pour la balade. On a fait le tour du lac, hein, mais c'est bien en plus. Moi j'aime bien être installée au bord du lac là. C'est sympa. Au moins au bord du lac on peut faire les andouilles. On peut y aller à fond, on peut faire des drifts, on peut faire plein de choses. Bon, avec un gros vaisseau, c'est pas forcément le mieux. Mais si vous avez des petits vaisseaux et que vous êtes sur l'eau, vous pouvez vous éclater, mais un truc de dingue. Ça sert à rien, mais c'est juste pour le fun. Hein. cent cinquante tonnes, ouais. Eh, quand même, hein. Elle pèse, hein. Faudra faire une version en or pour la faire là en PVP. Ouais, c'est ça, mais ouais. Des petits vaisseaux sur l'eau, c'est super bien. Hein. Et puis il est sympa celui-là aussi. Oui, en or. Un jour peut-être. Non, c'est vrai, bah, parce que bon, faudrait faire un. C'est vrai, une coccinelle en or. Hein. Moi, j'aurais trop peur d'exploser. Ça serait trop. À la limite, pour aller se faire exploser en PVP, il faudrait faire un truc un peu. Un truc moche. Hein. Et encore. Ça ferait chier de se faire exploser quand même. On fera juste des boules et puis on ira en PVP. Ouais, faudrait que je teste le warp. J'ai pas testé encore. Je l'ai sur le Krabi, mais j'ai pas testé. Hein. Bah, il faut déjà qu'on finisse de relancer la production de warp cell pour être tranquille. Hein. Et du coup, il faudrait quand même que j'aille miner pour aller faire des sous. Voilà. Pardon. Mais je crois que c'est un bouton. Bah, je sais pas si ça marche comme ça sur tous les vaisseaux ou si c'est un truc qui est activé pour appuyer sur un bouton. Je crois que c'est un bouton qu'il faut appuyer hein. Une fois qu'on a à bonne distance. Mais je ne sais pas. J'en sais pas plus. Mais du coup, c'est bien que si vous venez en visite sur le pod, la station VR, vous tapez Chalana, vous trouverez Little World of Chalana avec un seul N. Et vous arrivez ici, du coup. C'est un petit tronc d'arbre. Voilà, une petite entrée personnalisée, c'est pas mal. Très très bien. Taper, mais non. Bah, c'est normal si vous tapez Chalana en arrivant qu'elle vous enferme dans des pièces après. Voilà, Little World of Chalana. J'ai pas pris de. J'aime bien le nom du pod.
J'ai oublié de prendre un screen. J'avais dit, il n'y a pas grand-chose, bah... Oui. What? Oh. Il a pas aimé le retour, hein. Il a pas du tout aimé le retour, hein. Je suis revenue pour un screen. Le truc m'enterre. Ça faisait longtemps, oui. Ah, c'est vrai que c'est peu commun, quoi. Je venais en paix. Sans déconner. Ça m'embête en fait qu'il y ait la tour derrière. Hein. Casse les pieds, lui, avec sa tour. Hein. D'autre côté aussi. Ah, je voudrais faire quand même un joli screen. Hein. Où est-ce que j'avais mis ça? Quel dossier? C'est après, il faut que je retrouve trouve mes images. Voilà. Ah ben c'est clair. Du coup, vous avez une idée de visite? Ou je prends au pif. Vous me donnez une lettre et on voit ce qui se passe. Ouais, c'est sûr. Mais comme quoi, il y a eu vraiment du progrès depuis, ben, depuis le lancement de la bêta. Allons-y pour le V. Hop, on va cocher la petite case au cas où. Bah, Rambo Voxel Librairie, vous la connaissez tous, je pense. Lui, il a fait ABCE, C5 Hangar. Hop. ABEC5 Hangar, ça doit être. ABEC5. Le dixième au pif. Non, alors là-bas, j'irai pas. Je pense savoir qui c'est, je n'irai pas. Ah, il y a des gens. Boumbad. Où sommes-nous? On n'est pas sur. On est. Ah, on est sur Elliot. Ok. Ah mais ça me dit quelque chose, cet emplacement là. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Est-ce que c'est par rapport au vaisseau? The Buffalo. The Buffalo. Ça c'est Chef Tain. Vraiment pif. Ah, ils vendent des vaisseaux, c'est vrai? Ok. Ah, c'est un streamer aussi? Ok. Alors, ils vendent des vaisseaux, donc je suppose qu'on peut visiter son vaisseau s'il les vend. Alors, où est la porte? Est-ce qu'elle est en dessous? Ou est-ce qu'elle est... Parce que des fois, elle pop pas tout de suite. On voit pas le... Sinon je vais essayer de monter. Je cherche la logique pour essayer de monter. Bon, celui-là, je sais pas, je comprends pas comment on fait pour entrer dedans. J'arrive pas à sauter dessus.
je vais en prendre un autre. Ah. The Red Eight. Ah ouais? Une forte inspiration Star Citizen, non? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui revient le plus dans le sur Dual Universe. C'est Star Citizen et comment il s'appelle l'autre? Evenline, hein? Alors ça c'est dommage par contre. La vitre où on voit les containers. Enfin moi personnellement, c'est un point de vue purement personnel hein, encore une fois. Alors là c'est bon, j'ai trouvé comment on faisait pour entrer. Ah. C'est pas mal le petit texte qui défile. Ok. C'est pas mal. Et là on peut monter. Eh. Hey. Maintenant que tu as visité, je pourrais préparer mon poste pour Twitter et Discord. Il est en train de faire un vaisseau de Halo. Ah bon? Ok. Ok, donc ce sera un streamer australien. Alors si on a pu le visiter, on va aller voir le reste. Ah bah c'est ça, il est en train de travailler dessus. Bonjour. C'est qui ce... Doombad. C'est pas ce monsieur là qui est en train de sauter dans tous les sens quand même. Il va me faire vomir. Hein. Parce que là je pense qu'il y a une Projet X. Hein. Ça c'est en construction. The Buffalo. Putain, j'irais bien voir The Buffalo par contre. Javelin. Mais monsieur, comment on fait pour visiter dedans si tu les mets si haut? Moi je vais aller voir. En fait, moi j'aime bien aller au-dessus des vaisseaux pour aller voir les courbes. Bon là c'est bien parce qu'on le voit de... On le voit bien, mais je veux marcher dessus pour voir de plus près comment que c'est fait. Monsieur, redescendez. Ah c'est ça, en construction c'est le vaisseau de Halo. Il peut être sympa. Halo, c'est pas mal. Comme celui-là, je pense qu'il y a du... il doit y avoir quelque chose à visiter dedans, non? The Buffalo. Je suis pas forcément fan de la couleur, mais dedans, si c'est bien aménagé, j'ai envie de dire... Oula, faut que je tombe. Pourquoi pas? Non, je suis pas loin d'aller voir dedans. C'est dommage. Hein. Où est le Père Noël hein? Il y a son chapeau, mais il n'y a pas le Père Noël avec. Hein. Oui, c'est ça, ouais. À moins qu'après, ça m'étonnerait qu'ils mettent... si, ils pourraient mettre un pod à l'intérieur du vaisseau pour ceux qui sont intéressés pour l'acheter. Parce que moi, je... Enfin... Si tu veux acheter un vaisseau comme ça, c'est bien de visiter ce qu'il y a dedans. De loin, tu vois rien. C'est un peu dommage, du coup.
manquait pas plus à visiter. Par contre, à retenir peut-être pour son vaisseau pour Halo, quand il sera terminé ou qu'il sera bien avancé, j'aimerais bien voir à quoi ça va ressembler. C'était quoi ça? Avec Five, hein. Je me le notais. Vaisseau Halo en construction. Mais en plus, cette zone-là, elle me parle. Je sais plus pourquoi. S'il n'y a pas quelque chose à aller regarder. Je sais pas pourquoi cette zone me parle. Ou alors, on a été voir un truc en dernier là-bas. Je sais pas. Ça me reviendra. Le retour, il est un peu. Il est un peu long. Ah. Alors, donc c'était encore pour les, c'était pour les V, il m'a pas perdu la page. Alors il y a Dia Chip Showroom VR de Dia Architecture. Dia, mais c'est pas ceux qui donnent les bibliothèques de Voxel. Hein. Ah, c'est peut-être Bia pour les Voxel. Ouais, t'as raison. Oui. Bah, c'est vrai que comme je comprends pas grand-chose, enfin, je comprends vite fait, on va dire, l'anglais. Ouais. Alors, je sais que même souvent, hein, je vais regarder ce que fait Gaming Gothic, puisque ben, voilà, il aime bien aussi les pics de pixel art. Enfin. C'est vrai que quand tu commences à parler avec les gens, tu dois commencer à faire plusieurs phrases, ou alors ils te posent des questions en anglais, toi t'es là, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui répondre parce que je suis pas sûre d'avoir compris et Donc c'est vrai que je vais pas souvent regarder les streams anglais. Et c'est un tort d'ailleurs, puisque je vais voir leur construction, je pourrais au moins aller voir. Alors, hop. Là, on est en plein dans un showroom. Hein. Diaship. Ok, donc là c'est que pour que pour les membres de l'organisation. Si on veut, faut aller voir avec la direction. Alors il y a des gens déjà. Oh là là, bordel. On va éviter d'appuyer sur V, mais c'est trop bordel. Oh là là, il y a beaucoup à lire. Hein. 5 millions de quoi? Ça, 5 millions? 7 millions 5, hein, c'est les prix. Puis bon, de toute façon, mon habitude de lire en diagonale. VIP Passager. Oh. Ok. Alors, premier vaisseau. Est-ce que je peux aller dedans? J'irais bien voir dedans comment c'est fait. Non. Non. Ils veulent pas qu'on aille dedans. J'aime bien le warp, comment ils l'ont mis, comment ils l'ont incrusté à l'intérieur. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur ce vaisseau, non? On dirait qu'il n'est pas. Enfin, il manque des parties. Il manque quelque chose. C'est peut-être une impression, hein.
Champignon. Star Silver. Ok. Bon, je vous laisse un peu le texte si jamais vous, vous comprenez un peu mieux que moi. Que ça vous intéresse. Si vous voulez acheter un vaisseau. Non, je pense que pour acheter des vaisseaux, attendez le mois de janvier pendant l'exposition. Il va y avoir plein de choses à regarder et ce sera peut-être plus facile si jamais vous avez besoin d'un vaisseau de faire le tour de ce que tous les joueurs peuvent proposer. Il y aura un plus grand échantillon de joueurs. Ben, en fait... Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était le revêtement. Sodium ou l'ossi. Ben, en fait, je suis mitigée. Ouais. Je sais pas si j'aurais mis dans ce sens-là, en fait, le vaisseau. Je sais pas si... Ouais, j'aime bien. Étonnamment, j'aime bien. Comment il s'appelle, hein? Einstein. Je sais pas. Il me perturbe, ce vaisseau. Ah bah, tu peux largement vendre tes blueprints, oui. Surtout que maintenant, hein, le prix des constructions... C'est... Bah c'est, oui, ça prend de l'importance. Le Tricton classe 1. Non. Non. Attends, vous êtes en train de me dire qu'ils vendent les vaisseaux? Au début, à l'entrée, c'était écrit que les vaisseaux, c'était exclusivement pour les membres de DIA. Ils font acheter les vaisseaux à leurs membres? Non. C'est pas là. C'est où qu'il y a le truc? Les ventes extérieures sont à demander à la direction, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que c'est aussi le prix de vente pour les membres? Je peux pas faire le blueprint de la... Ah oui, la petite coccinelle, bah elle est pas mal en plus, hein, parce qu'elle porte quand même, c'est un conteneur M qu'elle a à l'intérieur de la petite coccinelle. Donc c'est plutôt un bon vaisseau, hein. Moi, le Krabi, il a un conteneur L, mais un M, ça lui suffit simplement aussi. Hein. C'est déjà des vaisseaux qui sont corrects. Hein. Du coup, j'ai pas trop compris si c'est le prix pour tout le monde, hein, ou si, enfin, s'ils vendent ça à leurs membres. Je trouve que c'est un peu... c'est un vaisseau qui est utile, mais... ouais, fonctionnel, mais... Ça m'embêterait honnêtement d'acheter ça à ma corpo. Hein. Ouais, mais du coup, la question, c'est est-ce que tu penses qu'ils vendent les chips à leurs membres? Ou est-ce que ce serait le prix tout public? Parce que moi, ça me ferait mal d'acheter ça, hein, quand même. En tant que membre d'une corpo, hein, je veux dire... je sais pas trop quoi y penser en fait, ça. Après, oui, ça reste une identité. Chaque vaisseau est pareil en fait. C'est du bleu, de l'acier bleu poli partout. Celui-là est mignon. Après, j'aime bien moi les petits vaisseaux. Je craque souvent pour les petits vaisseaux comme ça qui. pour aller balader. Mais sinon, je sais pas trop. Pas trop. D'après des prix corpo. Je sais pas pourquoi ça me choque autant. Ah là ça va, c'est pas cher celui-là. 100 000, mais il porte rien en fait. C'est juste pour balader. 3 people. Hein. Ah, tu utilises des 20 tonnes de ton nanopack. Hein. Ah, c'est pour aller... mettre de l'essence, c'est un truc de... Comment ça s'appelle? Rescue, sauvetage.
parce que le marché, il vend un truc comme ça pour débuter, un truc dans le genre, sauf que c'est pas de l'acier. Ah ouais, si c'est entièrement construit, ben j'espère quand même que c'est entièrement construit, surtout si c'est à corpo, quoi. Ben, ce qu'il y a, c'est que oui, certes, c'est un design qui est propre à la corpo, je suppose, parce qu'ils ont tous un peu la même patte graphique. Donc déjà, si t'accroches pas, c'est mal barré. Il y a un ascenseur, je crois. Je sais pas. C'est perturbant, mais c'est presque je. Enfin, c'est 40 000. Hein. Et il fait quoi celui-là? Ah, on peut monter parce que je vois qu'il y a un ascenseur dessus. Ah, c'est peut-être pour mince. Où est-ce qu'il est caché, peut-être? Juste devant la roue? Ah ouais? Devant la roue. Ah, exact. Merci. Ok. On a l'impression d'être dans un manège. Est-ce que je peux passer dans les portes? Ouais, c'est tout des vaisseaux fonctionnels, hein. C'est pas pour décorer. Il y a un deuxième. En fait, ça fait un petit peu avec tous les sièges comme ça et les deux rangées, ça fait un petit peu sortie scolaire, non? Vous trouvez pas? Bon, aujourd'hui on va au musée, hein. Alors vous mettez assis, vous mettez votre ceinture et c'est parti. Mais il est rigolo ce vaisseau. Ouais, c'est ça, c'est tous le même design. Hein. Ah si si, c'est bien les chips fonctionnels. J'ai pas dit le contraire. J'aurais voulu, bah disons que quand je vais visiter quelque chose, oui, j'aime bien. J'aurais bien aimé voir un truc un petit peu, comment dire, un truc pour, pas pour se la péter, mais un petit peu quand même, avec un petit peu de déco à l'intérieur. Parce que pour l'instant, il y a des gens en plus en dessous. Est-ce que c'est des membres? Certainement. La personne qui m'a suivi? Non. Ils veulent tous. Non, mais ils auraient pu faire un vaisseau. Ouais, pour balader et en même temps qui habille. Ah, on peut monter encore? Il y a un étage. Peut-être de l'autre côté. Hein. Ah, peut-être en face. Hein. Par contre, elle est jolie cette tour. Hein. Prototype là-bas. Entre la salle secrète. Ah mais non, c'est l'extérieur du bâtiment en fait. Hey, il est pas mal. Ah, s'il faut changer de côté. Je suis arrivée en haut. Non. Ah! On peut pas? Si.
Un vaisseau mascotte, oui. Mais Jericho avait commencé à travailler sur le vaisseau qui te suit partout. Oh. Droite, gauche. Donc là, ça doit être. Bah d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui sont là-bas en train de travailler. Ah, il y a aussi un. C'est quoi? C'est un bateau qui est là-bas? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut visiter à l'intérieur? Oh, c'est dommage. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'apparemment, c'est des bâtiments. C'est quoi? Skylab. Sky City. Ça peut être pas mal, hein, ce qu'ils sont en train de faire ici, hein. Mais c'est peut-être justement réservé pour les membres de la Corpo. Les bâtiments se ressemblent. Ah, c'est ça, ils ont gardé une régularité dans les constructions. Aussi bien dans les vaisseaux que sur les bâtiments, c'est la même chose. C'est la même. Ah oui, il court. Ouais, je vais essayer après. Je vais aller voir ça, on dirait un. Je pensais que c'était un bateau. Peut rentrer dedans. Ah, il va finir celui-là. Là, c'est l'intrus. Par contre, pourquoi il est blanc? Est-ce qu'il y a du mobilier à l'intérieur? Non. Non, non, évidemment, pourquoi mettre des meubles? Il n'y a pas de meubles, hein. Ouais, non, en fait, celui-là, je pense qu'il a. C'est pas eux. Parce que dans les noms des vaisseaux, il y a Dia dedans. Par contre, Dia FR, Ryujin. Donc, c'est des Français? Ce serait une corpo française? Je connais pas, ça me. Ah, je suis figée. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Dia FR Fenrir. Ah, c'est ça, ils ont les noms dedans. Ouais, et on les reconnaît, les vaisseaux. Hein. Ils sont toujours ce bleu acier. Hop. Essayer de courir dans une porte. Ah, bah là, c'est ouvert. Ouais, c'est des hangars en fait, ça. Ok, je viens de comprendre. Là, c'est le devant. En fait, c'est des box. Au pire, on peut rentrer par derrière, hein, c'est ouvert. Il y a même un escalier. Mais j'ai pas compris en fait, du coup. C'est pas fini ou. C'est peut-être pas terminé. Du coup, on peut visiter. Ah oui, derrière c'est ouvert. Hein. Donc ça doit être vraiment un espace pour le vaisseau. Tu le rentres à l'intérieur, tu le décharges et c'est ton endroit de stockage. Enfin, je pense. À l'intérieur, au pire, ici, tu peux faire ton petit appartement. Grand appartement, du coup. Oh, la terrasse, c'est joli. Ah, hein. Oh, j'aime bien les arches. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein.
c'est vraiment joli. Ça, je suis fan, hein. Simple et efficace. Ouais, et prendre une un screen de ça, tiens. Mince. Ça c'était d'IA, c'est ça? Ouais, que tu. Certainement. Bah, vu qu'ils ont l'air assez portés sur les sur la location. Enfin, ouais. C'est possible. Est-ce qu'il y a un nom sur le. Comment je descends? Tout est vitré. Par où je suis montée? Il y avait une porte quelque part. C'est malin ça. Ah bah, bon, je sais pas, je vais sauter. Hop. Donc j'étais voir par là, on va essayer d'aller à l'opposé. Ah, ça doit être ça. Hein. C'est un grand parking avec des bâtiments pour. Il y a l'air d'avoir quelque chose derrière. Pour vaisseau. Et y en a un paquet, hein. Et lui, il a droit à une porte. Oh. Bah oui, c'est ça. C'est bien ça, en fait. C'est des box pour les vaisseaux. Voilà. Exact. 263 membres. Ah ouais? Et du coup, tu sais si c'est une corpo française ou pas? Ou ça n'a rien à voir? J'adore l'idée. Honnêtement, c'est une super idée. Ils ont leur endroit à eux. Enfin, je pense, hein. Je pense. Ça m'a l'air logique, hein. Et à mon avis, ils sont en train de. Peut-être, ils n'ont pas eu le temps de faire les portes pour tout le monde. Et maintenant, avec le nouveau système d'industrie, ben, il faut peut-être que ça prendra plus de temps de faire des portes. Ok. Ce n'est qu'une supposition, mais ça me paraît tenir la route. J'aime bien le concept. J'aime bien. Bon, après, il faut être motivé pour à chaque fois venir stationner là, ici, hein. Mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, il y a un truc qui clignote par là-bas. Il y a de la lumière. C'est la fête. Ok. Ah, c'est pas mal, hein. C'est cool, hein. Bah, est-ce qu'ils font 263 hangars ou alors est-ce qu'ils ont déjà fait une grande partie et bah, premier arrivé, premier servi. Mais aussi, il faut avoir l'utilité. Il y a peut-être des gens que ça intéresse pas du tout d'être si haut. Mais ouais, c'est pas mal, honnêtement. C'est cool, hein. Ah bah, il y a un petit mot là. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas les quartiers là? Casino? Ah, un truc de Wincanta. Ah, c'est ça, mais ils sont en train de faire une petite ville. Hein. Un truc de jackpot. Antaver, station. Ah, il faut chercher Duck Casino, c'est ça? Press start. Bah, de toute façon, je suis pas. Ça doit être que pour les membres.
C'est pas mal, c'est rigolo. Ça va pas mal aux yeux, mais... Sitting da casino? Je vais aller voir du coup, si c'est vraiment ça. Comment on fait pour entrer dans ce bâtiment? Bah, en même temps, j'étais en train de travailler sur la... J'avais monté la pizzeria à 4000 mètres d'altitude, hein, en haut de la tour. Hein. J'avais commencé à faire la pâtisserie, j'ai pas terminé non plus. Mais c'était un petit peu un truc comme ça, hein. C'était une ville à recréer à 4000 mètres d'altitude. Bah, j'avais laissé tomber parce que ma brique faisait pas rose, mais je m'étais trompée de brique. Et les petites tables et tout, ok. Les petits box. Qu'est-ce qu'on a à l'étage? Bah, le truc c'est qu'à chaque fois il faut tout monter à la tout monter pour aller construire. Je me demande si au final déjà 1000 mètres c'est pas mal hein. 4000 mètres on y va pour l'instant, on n'y va jamais. J'aurais préféré mettre peut-être tout redescendre en bas. Hein. Bah, je me demande si on n'arrive pas ici, si on tape sitting. Si c'est ça en fait. Si on tape dans la station vert, hein, sitting de casino, à mon avis, on arrive ici. Ok. On peut encore monter? Non, donc ça c'est d'où je suis venue, hein, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais reprendre un deuxième. Ah, j'avais pas vu les lumières aussi, hein. Un screen comme ça. Dommage pour le truc en l'air, mais. Sitting duck casino. Ah, il y a un vaisseau qui arrive. Ou alors il part. Mince. J'ai vu un truc qui vole. Je vais sauter pour voir. J'aime bien la vue quand on saute. Ah si, un vaisseau là. Petit vaisseau, où vas-tu? Ah, c'est quoi ce bâtiment là-bas? Il y a un truc qui a explosé. Cortez. Le monsieur, il a fait boum. Ah, il est tout cassé, hein.
Je voudrais aller voir ce qu'il y a là-bas. Mais ouais, je voulais faire toute une zone commerciale. Et du coup, on avait déjà la pizzeria, donc on a été recopier la pizzeria. Il y a mes décorations d'Halloween qui sont là-bas, du coup. Et j'avais commencé à faire une boulangerie. Il faudrait que je reprenne ça. Il faudrait déjà que je finisse mon musée, mon nouveau musée. Après, il y a un autre truc que j'aimerais commencer aussi en parallèle. J'espère que je suis dans la bonne direction. Ah, je pensais pas que c'était si loin. Mais ça doit être la même corpo hein, là-bas. Ah, c'est ça que je crois que j'ai vu. Ah, il y a quelqu'un d'ailleurs. Ça continue de sprint si je... Non. Où est-ce que je suis? Era. Ah non, on change de tuile là. Elle est où la tuile là où j'ai atterri? Ils l'ont pas pris sous le nom d'une corpo? Dia, ah, si c'est ça. Par contre là du coup c'est soit des membres qui sont autour, qui se sont installés autour, soit ça a strictement rien à voir. Et du coup je vais squatter chez des gens que je ne connais pas. Là oui, j'avoue. Mais en tout cas, le bâtiment a l'air sympa. Je pense que ça doit être. Je pense que ça doit être un hôtel. Oui, ben oui. Il y a des chances. Ben moi, j'ai plus envie d'être de passer mon temps. Je sais pas. Déjà, j'ai jamais trop aimé être à l'industrie. Mais maintenant, encore moins. Donc, c'est pour ça aussi que. Bon, il y a des trucs qui traînent. J'aime pas réclamer. Tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Par contre, les notifs qui pop. Hop, désolé. J'ai des notifs qui pop sur la tablette. En plein milieu du stream, c'est un petit peu embêtant. Bah ouais, tout refaire à zéro, oui. Je peux comprendre que ça démotive, hein. S'il faut. Ah! Mince, j'ai failli tomber dans l'eau. J'aurais voulu monter. On peut pas monter? Je pense que c'est pas terminé. J'aurais voulu voir un petit peu. Y a pas un ascenseur au milieu? Ah si. Voilà. Bah j'ai voulu, mais comme je suis pas douée, c'est ça. Je sais pas où est la personne d'ailleurs. 300 mètres, il doit être de l'autre côté. Pour moi, ça a l'air d'être des futurs appartements. Par contre, c'est perturbant qu'on voit le sol en dessous. Et du coup, on voit nos voisins aussi, si c'est des appartements. Et on voit à travers les murs. Après, comme... Ah, là-bas.
Il y a peut-être des. Comme je disais, si c'est pas fini. Hein. Ah, mais oui. C'est sympa d'extérieur en fait, ça. Je voulais voir ça. C'est des balcons. Ok, donc ça, ce serait les balcons. Et l'intérieur de l'appartement, il serait où? Ça peut être pas mal, hein. Je sais pas trop. Hop. Je vais aller voir l'autre bâtiment. Mais ça peut être sympa à voir quand ce sera terminé. Ça fait immeuble à l'abandon. Bah ouais, c'est vrai que ça fait vide, mais après il est peut-être tout seul à jouer, hein. Il a l'air d'avoir plusieurs tuiles, hein. Donc est-ce que c'est quelqu'un de la corpo qui a pris une tuile à côté, enfin parce qu'il y a peut-être plusieurs tuiles. Hein. Et du coup, où est-ce qu'il fait ça tout seul, hein? Je vais lui faire un coucou. Mince. Où est-ce que ça m'a fait là? Où est-ce que je suis? Ça, ici? Je vais lui dire aïe peut-être. Avec un peu de chance, il parlera français. Enfin, en même temps, si je m'en vais trop loin du local, il va perdre. Enfin, moi, je vais perdre le dialogue. Ça bug chez toi les émotes? Ah bon? Ah mais c'est peut-être pour ça que moi ça m'écrit. Mais ça fait déjà la dernière fois ça m'écrivait ça dans le chat. Et il faisait plus les émotes. Mince. Je peux pas. Ouais donc du coup ça doit bugger les émotes. Comment on fait pour monter là-dedans? On voit que c'est les mêmes couleurs, hein, donc je pense que ils doivent jouer ensemble. Oh, il y a des plantes. Ah là là, ils sont mignons, mais comment on fait pour rentrer chez eux, hein? Là, je vais peut-être pouvoir monter, ça a l'air simple. Je vais pas tomber. Ok. Ah bah il devait y avoir un ascenseur en bas. Ah, ça y est, je suis dedans. C'est joli ce verre, je sais pas ce que c'est. C'est du plastique vert clair, brillant, tout simplement. C'est pas mal. Là-bas aussi, il y a une belle maison. Il y a beaucoup de plantes, hein. On peut monter encore plus haut. Ouais. On dirait un magasin. Une station service peut-être. Où est-ce qu'on est? Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Là. C'est clair qu'il y a pas mal de plantes, hein. Oh la vache. Hello. Ah, c'est des Allemands. Propriétaire ERA 71. Ok, donc c'est toujours la même personne hein, qui avait l'air d'être AFK au milieu de la piste. Oui, bah oui. Mais ça en même temps, ça a l'air d'être des noms allemands. Ok. Ah.
Des petites bougies. Qu'est-ce qu'on a là? Industrie. Il aime les plantes, hein. Ouais. Est-ce que ce serait la culture de plantes? Qu'on ne citera pas parce que c'est pas bien, c'est illégal. Mais ils sont combien en fait? Vous avez vu toutes ces chaises? Tiens, est-ce que ce serait pas des comme des drapeaux? Une salle d'embarquement. Ah ouais! Pas bête ça. Il est sympa ce bâtiment. Mince, on peut pas aller par là. Ouais. C'est sympa. Donc je sais pas si le monsieur joue tout seul. Mais ouais, c'est cool, hein. C'est bien foutu. Peut-être un tout petit peu trop de plantes pour moi, mais c'est sympa, j'aime bien. Ouais, il doit faire tous ses essais. Ouais, il est en train de. Il travaille dessus encore, hein. C'est sympa. Hop, normalement, on est censé sortir par là. Est-ce qu'il y a mon nom qui s'affiche quelque part? Non, c'est juste Gadget. Ah, oh, sapin Noël, hein. J'avais pas vu. Le nom du construct, c'est aéroport? Flughafen. Ok. J'aurais bien voulu voir le. Oui. Tiens. Sans le conteneur derrière. Quoique le conteneur il fait partie. Hein. Ah bah tiens. Il est là le monsieur. Il s'appelle comment lui? ERA 71. Pas mal ce qu'il a fait. Ouais, c'est cool, hein. Hop, un dernier petit screen pour la route, sans. Et après, hop, je vais rentrer. Ah, chaque fois je me plante de fenêtre. Hop. Ouais, j'aime bien prendre des screens. Hop. Bon, en tout cas, sympa ces petites découvertes au pif. Oui, à la base, on regardait le Diaship Showroom. Et de loin, j'ai vu les bâtiments. Est-ce que c'est des joueurs qui font partie de la corpo et ils ont réservé les tuiles à côté? Ou est-ce qu'ils se connaissent pas du tout et ils jouent tout seuls ou avec des amis? Ben, on sait pas. Par contre, une fois terminé, ça peut être très joli. Ça fait un complexe hôtelier en bord de mer. C'est cool. Bon, j'aurais bien voulu visiter des vaisseaux habités dedans. Enfin, habitables. Meublés, quoi. J'aurais bien voulu. Du coup, demain matin, alors cette semaine, c'est un petit peu particulier en termes de planning. C'est
c'est les fêtes. Demain soir, je ne suis pas disponible. Donc demain soir, il n'y aura pas de stream. Du coup, demain matin, j'en profite. 9h30, 11h, il y aura du Dual Universe. Et après, on passe sur FF14 jusque 13h. Mercredi, il n'y a pas de changement. Toujours Dual Universe à partir de 17h. Et jeudi soir, je ne suis pas là non plus parce qu'il faut que je parte. Je sais pas à quelle heure je pars de chez moi pour le réveillon et il faut que je me prépare un minimum. On va dire ça comme ça. Je sais pas à quelle heure je pars, du coup ça va être tendu pour stream en fin de journée. Donc voilà, donc du coup demain on se retrouve sur Dual Universe en première partie de matinée. On va faire moitié-moitié demain. Oh, il fait jour! Mince! On va se mettre au bord de l'eau. Je vais m'enlever des lumières qui clignotent parce que ça fait. Surtout que j'aime pas le jaune. Enfin, je suis pas une fan du jaune. Hein. Je vais aller dans ma maison au bord de mer. Pour faire le. Hop! Pour clôturer le stream. Hein. C'est vrai que ça fait loin du coup. Mais voilà, au final, je me dis, tiens, faire ici toutes des constructions en bord de mer, bah ma maison ne sera plus toute seule au bout. Donc je pourrais tout faire ici. Agrandir ici jusque revenir en fait vers l'industrie. Parce que tout ça, c'est à nous. Hein. Je sais pas ce que. Et puis bon, quand on va à la mer, on aime bien après. Faire les boutiques aussi. On passe la journée à la piscine et puis après on va se faire une pizza ou... Donc avoir des petites boutiques à côté, c'est pas choquant. Ah bah tiens, ma cuisine, je pourrais refaire la même ici. Où est-ce que je vais me mettre? Ah, j'avais fait ça en luminaire, je me souviens même plus. Ça fait tellement longtemps que je suis pas rentrée chez moi. Que je me souviens même plus comment que c'est fait. Mais c'est vrai que ce qui me dérange un peu, c'est ça fait trop bois. C'est vrai, hein. Oh, mince, mais du coup les lits ils ont réduit. Mon Dieu, j'avais pas. Mais oui, ça fait un peu trop bois. Oups. Mais bon, j'aime bien la vue. Ben, la vue là-bas en fait. Ah, c'est pas que j'aime pas ici, c'est juste que les tours, bon bah c'est moyen. On est d'accord. Enfin je vois, donc je pense que la maison je vais la refaire. Je vais garder le. Je vais faire un blueprint. Mais je pense que je vais la modifier. J'aime bien cet aspect bois, mais je pense qu'il faut que je mette autre chose avec. Peut-être du. Est-ce qu'on repart sur du marbre? J'en sais rien. On verra ça. On va déjà finir le musée, ce sera déjà bien. Le Nyan Cat, le budget. Et le budget, j'ai dit, le musée. Et on verra pour la suite. Alors sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. Il est où le formulaire de recrutement? Ah, ben, tu viens quand tu veux. Hein. Vous voulez... voilà. Hein. Ça y est, aucun souci. Hein. Ah oui, avec des poissons, oui. C'est vrai. On pourrait mettre des poissons ici, un peu partout. Hein. Oui, parce que j'avais pensé en fait rajouter un deuxième corps à côté pour faire un bateau. Quitte à faire un vaisseau, mais pouvoir le. Ou alors je fais un vaisseau et je le ramène ici devant. Oui, on pourrait même faire peut-être un espèce de bassin avec. Ouais, avec des dauphins, un truc comme ça. Un kraken. Non, mais y a aucun souci. Hein. Tu es la bienvenue, Shalana. Mais oui, comme on a dit, on veut pas forcément un truc exceptionnel en termes d'organisation, donc on se lancera pas à grosse échelle à refaire du recrutement en type usine. Par contre, bah, on est là, quoi. Je veux dire, nos portes, elles sont ouvertes. Vous nous connaissez maintenant. Vous voyez très bien comment on fonctionne.
Et il n'y a aucun souci, quoi. Comme je dis, maintenant, aujourd'hui, je ne laisserai pas forcément les gens rester un peu tout seuls dans leur coin. Je les encouragerai à aller vers une petite, peut-être des petites corpos, pour qu'ils puissent plus facilement s'intégrer et trouver leur place et s'épanouir. En gardant, en fait, leur coin à eux. C'est important, ça, je pense, en tant que joueur, de garder son espace à soi. Mais d'avoir quelqu'un sur d'avoir des gens sur qui compter au niveau du jeu, j'entends. N'allez pas non plus voilà. Mais c'était pour la petite parenthèse. Donc on est là. On vous l'a déjà dit. On le redit. On est aussi présent sur Discord, même si voilà, vous avez des questions et tout ça, au moins vous aurez les réponses. Mais voilà quoi. Restez pas seul dans votre coin pour vous écœurer du jeu. Ça sert à rien. C'est pas le but. Moi, mon truc, c'est le minage. Moi, l'industrie, je m'en occupe pas. Je veux dire, voilà. Toute seule, je pourrais pas rester dans ce jeu-là. J'aime bien me promener. J'aime bien faire quelques constructions. Il faut que la motivation, elle me vienne. Il faut l'inspiration, etc. On est chacun différent en termes de joueurs et on peut tous trouver notre place. Bah voilà, ensemble. Shalana qui veut venir. Voyons. Les conditions? Sans déconner. Vous avez entendu ce qu'il a dit ou pas? Coucou Maxfly, comment ça va? C'est quoi la condition? Il arrive, il fait il y a une condition, vous me donnez tout, vous me donnez vos sous. Je garde vos sous. C'est toi qui paye les schémas? Mais je t'ai donné 20 millions que j'ai été miné. Oh, j'en sais rien, moi, je m'occupe pas de l'industrie. Il vient me réclamer des sous. Je vais aller miner, je lui ai dit que j'allais miner, c'est juste que je suis pas motive. Hein. Mais je vais y aller. Maintenant, il vient me dire de ne pas m'emmerder. Bah alors? Ah, bah oui, évidemment. Sérieusement. Ah, t'as mal au crâne? Bah ouais, faut te reposer. Ah, tu fais mes sous. Comment il est? Tout de suite, il m'entend faire parler de recrutement et tout. Il arrive. Au fait, sans déconner. Je préférais passer des heures. Même si j'ai pas envie à aller faire de l'argent, etc., pour acheter des trucs, même que j'aurais même pas besoin pour mes membres, plutôt que de vous laisser aller farmer des trucs de. Enfin voilà quoi, je tire là-dessus. Hein. Bah en fait, on faisait des balades, hein, et là j'allais arrêter le stream. Hein. Du coup, on parlait d'organisation, de l'importance de pouvoir s'épanouir sur le jeu. Mais peut-être pas forcément rester seul, hein. D'avoir quelqu'un, d'avoir un petit groupe sur qui on peut compter. Sans se faire non plus écraser, sans se faire avoir. Tu sais pas comment inviter quelqu'un dans ton regard? Je sais pas. Moi, je sais pas, je reçois des invitations sauvages, non. Je sais rien. Ça doit pas être forcément. C'est vrai que ouais, j'ai accès à tout. Bah oui, je suis une squatteuse, n'est-ce pas? Non, c'est super gentil. Mais souvent, je suis touchée quand on me donne les droits à. Voilà, ou quand on vient me faire des motifs, des choses comme ça. C'est juste énormissime parce que. Oui, peut-être que je suis quelqu'un qui a l'air gentil, mais ne donnez pas non plus votre confiance comme ça au premier venu. Non, mais c'est vrai, parce que demain, je perds la mémoire. Je viens chez Shalana, je lui pique tout, je lui rase tout. Je peux, hein? J'ai le droit. Et puis je dis, mais on se connaît pas. Donc, non, mais faites attention quand même. Grande question des petites ou grosses en regard. Oui. Ben, moi,
Aujourd'hui, autant avant, je vous disais, si vous voulez rester tout seul, je vois pas où est le problème. Aujourd'hui, honnêtement, si vous voulez pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, l'industrie, j'ai même pas envie d'en entendre parler, donc enfin, je déconseillerais aux gens comme moi de rester seul, clairement. Mais après, j'ai pas envie de me retrouver dans une grosse corpo où je suis juste un chiffre parmi d'autres. Mais ça dépend des mentalités, tout à fait. Mais justement, moi, je veux pas avoir cette casquette de chef d'entreprise où je suis obligée de te mettre un coup de pied aux fesses parce que pour que tu te bouges, pour que tu fasses ci, que tu fasses ça. Les gens, ils savent se prendre par la main. Si leur truc, c'est telle ou telle chose, ben voilà. Et s'ils ont besoin de quelque chose, ça sera, comment dire, en fait, c'est donnant-donnant, tout simplement. Je veux dire. Tiens, toi t'aimes ça, ok, mais moi j'aime ça. Bah tiens, comment on peut s'aider en fait pour qu'on y trouve tous son compte sans. Mais oui, il y a des gens, faut vraiment leur mettre un coup de pied au cul. Et c'est un truc que j'ai plus envie de faire. Parce que déjà j'aime pas ça et j'ai pas le temps. Fais gaffe à ton Yann-Cat si tu fais ça après. Attends, faut que j'enlève les droits du Yann-Cat. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que des fois, c'est pas pour vous faire chier que je vous dis venez sur Discord. C'est juste que la plupart des questions, moi honnêtement, j'ai pas les réponses. Parce que j'aime bien me balader, vous avez vu, hein. Je peux vous apprendre à miner si vous voulez, mais sinon, les autres questions, j'apprends sur le tas en fait. Et j'apprends aussi beaucoup grâce à vous. Donc, dès que j'ai une question, bah, je la pose soit sur Discord, soit mon chéri est à côté de moi. Donc, de venir sur Discord, ça permet d'avoir vous directement les réponses plus facilement. Et puis après, il y a pas mal d'échanges, donc c'est pas mal aussi, hein. On n'est pas on n'est pas des sauvages. T'as pas capté la logique sur le long terme de Dual Universe. On n'est pas censé se réunir pour qu'après l'éditeur ouvre d'autres systèmes qu'on colonise. Je sais pas. Ah, j'ai pas compris ça, moi. En fait, j'ai pas raisonné aussi loin que ça. Bah, disons que si aujourd'hui il n'y a pas assez de personnes qui payent un abonnement, ils n'ont pas forcément l'argent pour continuer le développement du jeu. Donc il n'y aura pas. Enfin, voilà quoi. Hein. Nous on est alpha testeur. On a payé un pack pour encourager le développement du jeu, mais maintenant ça s'arrête là en fait. Hein. Si le jeu sort jamais, bah nous on s'en fout, hein. On aura toujours accès au jeu. Hein. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui doivent être mises en place sur Dual Universe, ça va prendre du temps. Il faut surtout que Nova Quark écoute la communauté pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, Varsi, il a gagné un an d'abonnement. Donc, comme je disais, peut-être que si ça vous intéresse d'avoir une clé, si on peut offrir une clé en stream, on le fera. Après, bon, le peu que je connais d'entre vous, vous avez déjà une clé. Donc, ou alors, ben, ça vous intéresserait d'offrir une clé à quelqu'un, de donner une clé. Donc, moi perso, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je préférais vous offrir quelque chose qui peut vous servir, qui peut, voilà. Donc, fais-nous gagner une coque. Coccinelle géante. Ah oui, mais ça, il faut pas voir avec moi. Hein. Je pourrais acheter la coccinelle à Shanana et elle pourrait la faire gagner. Hein. Oui. Donc. Ouais, c'est ça. Bah, comme on en parlait, il y a des systèmes de. Comment ça s'appelle? De parrainage. Pourquoi ils n'ont pas fait le système de parrainage tout de suite à la sortie de la bêta? Ça me paraissait logique. Hein. Mais oui. Ça encouragerait les gens aussi à dire tiens, prends, viens sur Dual Universe, prends mon code parrain, etc. T'auras des cadeaux, moi aussi.
Moi là, je suis pas d'accord, c'est de faire payer un abonnement de 3 mois. J'aurais préféré payer un abonnement de 1 mois. Et dans ce cas-là, ouais, je vous dirais, ouais, prenez un abonnement d'un mois. Vous verrez bien si vous accrochez. Et là, 3 mois, je peux pas m'engager sur 3 mois. C'est quand même 20 €, c'est énorme. Je suis désolée, pour moi, je trouve que 20 € c'est une somme, 20 €. Y a pas les bases, contrebases aussi. Il y a tellement de trucs. Il faudrait déjà qu'ils ajoutent l'émission. On devrait pouvoir faire des missions comme des missions quotidiennes en fait. Ça. Au moins l'abo en valeur est réglo. C'est ça, en fait, ce qui me gêne, c'est vraiment de devoir être engagé pendant 3 mois. Ça, je trouve pas ça normal. Il faut plus de communication, il faut que ce soit plus clair et plus. Ouais, c'est ça. Après, nous, en tant que streamer, on peut faire aussi un retour, mais bon, après, les streamers français, on n'est peut-être pas forcément. Je pense pas qu'à moi, à mon échelle, je pourrais, hein. Il faut que je prenne le temps de faire un petit mail, hein, pour faire quelques remontées, mais je pense que quelqu'un, par exemple, qui a plus de personnes sur son stream sera plus écouté parce que il aura plus d'impact. Pour l'instant, c'est plus les streams anglais qui sont mis en valeur. Oui, ils ont prévu des missions, en espérant que ça arrive assez vite, puisque les gens se sont plaints du manque d'argent à gagner dans le jeu. Ce serait un bon moyen de gagner quotidiennement de l'argent pour acheter les schémas pour en janvier pour l'émission. Ok, ce serait bien. Déjà, ce serait un bon point, ça. C'est dommage qu'un jeu FR, ça soit aussi dur de communiquer avec eux. Vous m'entendez souvent un petit peu ronchonner par rapport à Shadow. Shadow, c'est aussi, c'est français, hein. En communication, c'est zéro. C'est zéro, hein. Faut pas chercher. Tout ce qui est français, c'est. Enfin, d'accord? Il y a un problème de communication. Et ouais, et pourtant, c'est tellement prometteur, mais. Il y a des petites erreurs à droite à gauche. Ça pique. Bon, du coup, moi, les gens, je vais m'arrêter là. C'est toujours sympa de parler avec vous. On voit pas le temps passer, mais j'ai une mission cuisine à faire. Mon rond est en cuisine maintenant. Mais oui, n'hésitez pas et pensez à moi si jamais vous voyez des choses intéressantes à visiter. Qu'est-ce qu'on va manger? On fait une recette, il y a du bœuf, je crois. On essaie de se faire des petites recettes. Mais ouais, je meurs de faim aussi. Pourtant, ouais. Ah bah enfin, c'est long à préparer. Il y a une bonne demi-heure de préparation. Mais oui. Donc n'hésitez pas à penser à moi si vous voyez des trucs sympas à visiter, s'il y a des pods, si même chez vous, il y a. Je veux venir visiter chez vous aussi et mettez un pod. Ou c'est pas trop loin, je viendrai en vaisseau. Je me motiverai à venir en vaisseau. Mais voilà. Ouais, mais il faudrait que je me fasse un support pour faire des streams cuisine, pour mettre mon téléphone et voir la résolution, si c'est cool ou pas, pour faire un peu de stream cuisine. J'aimerais bien faire. Faut que je teste tout ça, ou alors faudrait carrément que j'aille voir. Je dois changer mon téléphone. Faudrait que je m'en occupe, on verra. Mais dès que c'est possible, j'essaierai d'en faire un peu. C'est un désastre, hein, mais c'est bon après, hein, mais c'est quand même un désastre en cuisine. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée. Et du coup, demain matin, on commence par Duel Universe, donc dès 9 h 30. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Bye, et merci encore.